petit peu la musique, s'il te plaît. Mais un petit peu la musique pour que Simon fasse la présentation de cette première finale prestige, la finale féminine. Allez, c'est parti. Présentation des deux équipes qui vont donc s'affronter dans cette finale. Dans le prestige féminin, on va commencer par l'équipe Crazy Funky Monkey. Trois joueuses hollandaises qui évoluent à très haut niveau. En Hollande, justement, on va commencer avec Yannette Wilt Dreyer. You can play. Qui évolue à un deuxième niveau, l'équivalent de notre niveau élite en France. On continue, deux sœurs qui viennent compléter cette équipe. La première, Suzanne Reinders. Et pour compléter cette équipe, Iris Reinders. Allez, on souhaite bonne chance à l'équipe Crazy Funky Monkey dans cette finale. On continue la présentation des équipes avec l'équipe Sound Fabric. On commence, hein. Elle est tenante du titre 2018-2019. Clara Martin qui évolue en élite à Bordeaux. On continue avec Juliette Narbonne. Juliette évolue en élite à Levallois. Pardon. Et pour terminer cette équipe, on termine avec Laura Longuet qui évolue au Montpellier Beach Volley. C'est une joueuse qui fait du Beach Volley 2-2. Elle a notamment été championne de France en 2018 et 2019. Rien que ça, très beau palmarès pour cette joueuse. On va pouvoir débuter maintenant ce match, hein, Bruno, je pense qu'on... Oui. Et on peut signaler que l'équipe Crazy Funky Monkey était finaliste de la dernière édition en 2019, finaliste perdante. Donc là, cette année, elle s'espère repartir avec le titre de championne des estivales des Côtes d'Armor. Et face à elle, il y a l'une des gagnantes de la dernière édition, Clara Martin, qui avait gagné l'édition 2019 avec deux autres partenaires. C'est parti en 2-7 de 21-5. C'est ça, de 7 gagnants de 21 points, tournent tous les 7 points du coup. Le premier point marqué par l'équipe Sound Fabric dans cette finale, Laura Longuet à l'attaque. Alors de 7 de 21 points, bien sûr. De 7 de 21 points avec rotation tous les 7 points. Et si nécessaire, il y aura 7 de 15 points. Tout de suite, la réponse. C'est à point pour l'équipe. Mais c'est un 3 égalités.
bloc d'avance maintenant pour l'équipe Crazy Cosmic qui suit à ce bloc. On peut applaudir bien, bien fort les deux équipes. Et voilà, à 3 points, à plus 3, à 14. En faveur de l'équipe Crazy Funky Monkey face à l'équipe Sans Fabrique. On a déjà vu se refaire dans des situations compliquées, elles vont reconnaître sur soi.
France de la part de l'équipe Sainte-Fabrique et ses bagarres récompensées par un nouveau point qui revient à 2 points de l'équipe Crazy Funky Monkey 14-16. Dans cette finale. On rappelle un 7 de 21 points. On s'en rapproche. Qui va mieux gérer la fin du set? Chercher celle-là, ça fait 16-17. Toujours hein, l'équipe Crazy Funky Monkey devant dans son set de la féminine. Crazy Funky Monkey, pour rappel, le 7 de en 21 points, on se rapproche, on est dans le Money Time, clairement, de ce premier set de la finale féminine, prestige. Mais ça ne suffit pas. Toujours 3 points d'avance. C'est pas le 7-7. En faveur de l'équipe. Mais c'est Funky Monkey. Très bien, le 7. À ce palmarès, hein, lorsqu'on est volleyeur déjà en temps normal, les estivales, mais là, cette année, avec cette édition anniversaire, c'est d'autant plus fort que de remporter le prestige. Ah oui, ce sont les vainqueurs, on se rappellera, la 30e édition des estivales de volleyball des Crêtes d'Armor, c'est cette année. Magnifique tournoi, le plus grand tournoi européen de volleyball de plage. Allez, la finale, on commence un instant pour le deuxième set. Sur 10 jours, 3 étapes. Une première étape de 3 jours au Sable d'Or, les Sables d'Or. Une deuxième étape à Erquy.
Et la troisième étape, toujours ici en apothéose à Saint-Calais-Guido, trois merveilleuses communes et merveilleuses plages qui nous accueillent chaque année. Merci à ces communes de soutenir les estivales de volleyball des Côtes d'Armor. Merci à tous les partenaires, qu'ils soient privés ou institutionnels. Merci à tous nos partenaires. Et on espère vous proposer encore un super spectacle pendant des années et des années et des années. Ici, dans les Côtes d'Armor, l'un des grands tournois de volleyball. Allez, ça y est, c'est deuxième set tout de suite. 1-7-0 en faveur de l'équipe Crazy Funky Monkey. Oui, on reprend la deuxième au service. Mais 5-3 dans le deuxième.
disais tout à l'heure, nouveau cette année sur le grand écran. Vous pouvez retrouver les ralentis des plus beaux points. Super travail de l'équipe vidéo encore cette année. Ah, dommage, le ballon qui est freiné au bloc, mais on ne parvient pas à suivre en défense derrière, ça fait 9-10. Ça chambre un peu hein, ici sur le central, on dirait bien. Et c'était un gros bloc. Il va y avoir la réaction en face. 10 partout, égalité parfaite dans ce deuxième set. Et bien sûr, ce genre de points, on voit toute la palette technique de Clara qui est à la fois capable de poser ce ballon. À une main, à 10 doigts, rentrez fort. Tournoi Open 5A principal.
Sur le terrain numéro 4, la Kiffance, TDDHS, Faudra Open 5 à 7 sur le terrain numéro 4 pour la finale. Faudra Open 5 à 3 dans la finale sur le terrain numéro 5. Plus sur mer, avec la Sky sur le terrain numéro 5. Et voilà, deux points d'avance. Retournement de situation dans ce deuxième set. Elles étaient menées jusqu'à 3 points. Elles étaient à moins 3 à un moment. Les voilà désormais devant à plus 2, l'équipe Crazy Funky Monkey qui mène 14-12. C'est dommage, faute de fil. Grosse pression, on fait ça au service, au bloc, l'équipe hollandaise impressionnante qui n'a pas paniqué au début du deuxième set et qui revient tranquillement pour maintenant prendre 4 points d'avance. 16-12 après avoir remporté le premier set. Alors attends une réaction de l'équipe Sans Fabrique. Allez le public, il faut aider les joueuses. Encouragez-les, le Sans Fabrique. Là, clairement, les Hollandais qui mènent ce match. Hein. Les Hollandais, même dans les tribunes, font beaucoup de bruit. Allez, à vous de faire du bruit pour l'équipe. Sans avec. Très belle attaque de Laura Longuet. Elles vont s'accrocher. Hein. Allez, au public, allez, au public. Oui. Allez, pour Sans Fabrique, là, on les applaudit très fort. Allez, on en veut encore de ce beau volleyball. Et voilà, super l'effort, c'est à l'attaque. Clara Martin, bravo, nouveau point, ça revient, 14-17. Mais c'est bien, ne lâche rien, l'équipe Sans Fabrique, rien n'est joué encore, hein. elles sont encore à 3 points de la victoire, l'équipe Crazy Funky Monkey, 18-14. Barrage de Clara Martin après ce superbe bloc.
Ça fait 17-18 au moment de changer de côté à un deuxième set, un totalement indécis, un gros suspense dans ce deuxième set. Et on retrouve Juliette Narbonne au service pour l'équipe Sainte Fabrique. Nouveau bloc pour Clara Martin. Égalité à 18. Les deux équipes à 3 points du set. Ça craque un peu du côté de l'équipe hollandaise. La pression peut-être, la pression d'aller remporter les estivales de volleyball. Elle menait 1-7-0 et avait pris 4 points d'avance dans le deuxième. Égalité. Match en faveur de l'équipe Crazy Funky. Allez, on tape dans les mains, on tape dans les mains, on tape dans les mains, on tape dans les mains. Et c'est gagné pour l'équipe Crazy Funky. Monkey, on peut applaudir très fort, très fort, très fort les deux équipes pour cette super finale. Superbe match en effet, Bruno. C'était vraiment une très très belle finale. On aime quand ça joue comme ça sur le terrain central, quand il y a une ambiance très chaude, hein, grâce à vous le public, vous mettez une super ambiance sur ces finales. Bravo, bravo aux deux équipes. Hein.